Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre de Jacques Chécroum. Ce livre, c'est Le procès Spinoza aux éditions Albin Michel. C'est un roman. Et ce livre est très intéressant parce qu'il va retracer toute l'histoire de Spinoza, de sa naissance jusqu'au moment où il a subi ce fameux procès. C'est un procès en fait religieux qu'a subi Spinoza. C'est un procès en fait qui va déboucher en tout cas sur un RM, c'est-à-dire que Spinoza va être excommunié de manière définitive de sa communauté. Et ça, c'est très intéressant parce que, eh bien, ça va signifier, en tout cas du moment où Spinoza est né, et puis tout ce qui va lui arriver dans son enfance, dans son adolescence, et puis tout ce qui va lui arriver à la mort de son père, hein, vous verrez comme tous ces éléments sont importants dans la vie de Spinoza, ça va nous permettre de comprendre comment Spinoza est arrivé d'un homme très intelligent, qui connaît les écritures saintes par cœur, qui a passé son temps à étudier la Torah, qui est promis à un bel avenir de rabbin, et bien comment un homme pareil va finalement finir par devenir l'un des plus subversifs libres penseurs du monde. Alors ce livre est un roman, donc il ne retrace pas que des vérités, même si ce livre est extrêmement fidèle à la pensée de Spinoza, il est aussi extrêmement fidèle aux faits historiques connus, mais il y a des passages qui sont romancés, là où il y a des trous dans l'histoire de Spinoza et de ce qu'on sait de Spinoza. Donc voilà, c'est un livre vraiment très très bien pour ça, parce que, comme je l'ai dit, il respecte la pensée de Spinoza. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Spinoza, ça permet de connaître sa pensée et de s'initier à sa pensée en douceur, en tout cas la pensée qu'il avait envers les religions, la pensée qu'il avait, la pensée critique qu'il avait envers tous les monothéismes au final, tout est initié là. Ça permet de comprendre aussi pourquoi il a été exclu de sa communauté, et ça permet de comprendre comment Spinoza, le futur rabbin, est devenu un des plus grands penseurs de la liberté de penser, de la liberté religieuse de tous les temps. Et en plus, la pensée de Spinoza, je trouve, est hyper actuelle aujourd'hui, où on voit bien, il y a des débats autour de la laïcité, plus personne ne sait précisément ce qu'est la laïcité. Et c'est vrai que Spinoza est vraiment éclairant pour ça, parce qu'il nous permet de comprendre de manière extrêmement rationnelle. Spinoza est un penseur qui a une pensée très géométrique, très, très carrée, avec des arguments très sérieux, avec des arguments, c'est pas quelqu'un qui postule d'axiomes comme ça, d'une manière un petit peu légère. Donc c'est ce qu'il y a d'intéressant aussi avec Spinoza. Et s'initier à sa pensée avec ce livre est vraiment un réel plaisir. Je trouve que l'auteur écrit bien, il rend la vie de Spinoza extrêmement vivante. On est bien dans l'époque, on est bien dans les conversations d'époque, dans les questionnements d'époque. On garde aussi les vrais noms des gens qui ont eu des interactions avec Spinoza. Donc voilà, un vrai bon livre sur Spinoza, un vrai bon roman pour vous faire découvrir la vie et la pensée de Spinoza. Donc un livre que j'ai beaucoup aimé, qu'évidemment je vous conseille. Un livre qu'il faut impérativement vous procurer, même si vous connaissez Spinoza et si vous connaissez sa pensée, honnêtement c'est un roman qu'il va être agréable pour vous de lire. Vous allez y retrouver la pensée de Spinoza, vous allez y retrouver tous les éléments que vous connaissez déjà, mais avec une part de roman qui est très intéressant, qui est très bien faite je trouve, qui ne dénature pas la pensée ou la vie de Spinoza telle qu'on la connaît, de ce qu'on en connaît aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, vraiment un très très bon livre que je te conseille. Moi je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, sur la nouvelle chaîne aussi dont je t'ai parlé, où on va parler uniquement de livres. Et puis tu vas pouvoir aussi nous rejoindre comme d'habitude en podcast, sur iTunes, évidemment sur Google Podcast, sur tous les bons lecteurs de podcast, également sur Spotify. Bref, tu as aussi le site internet, tu peux nous rejoindre sur tous ces canaux pour avoir des recommandations livresques, des critiques, des résumés de livres, bref, tout ce qu'il faut pour passer un bon été à lire. Moi je te dis à très bientôt, porte-toi bien, ciao ciao, salut.